T'es là pour des enroulés de folie parce que tu kiffes le foot. Alors t'es au bon endroit mon pote, installe-toi correctement, c'est parti pour le top 10 IRL numéro 5. Bienvenue à bord, Vaimo Commande, j'espère que vous allez vraiment bien les amis. Effectivement, vous l'avez compris, aujourd'hui on va se retrouver pour le top 10 numéro 5 foot IRL, à savoir les enroulés. Et le moins que je puis dire, c'est que vous avez été nombreux à m'envoyer vos vidéos et je tenais vraiment à vous remercier du niveau de folie. Ah ouais, concrètement je me suis régalé à regarder vos clips, franchement vous gérez les gars, merci à tous. Alors tu connais le truc mon pote, si tu kiffes toi aussi la série des top 10 et que t'as envie qu'elle continue, surtout n'hésite pas à me laisser le gros pouce bleu. On essaie de battre le record de 2600 likes, franchement ça serait vraiment énorme, surtout que je vous réserve une petite surprise pour le top 10 numéro 6. Alors je compte sur vous et puis on va partir tout simplement à la 10ème place et on n'est pas là pour trier les lentilles, c'est parti. Allez, à la 10ème place on va retrouver Laurent qui va nous faire un sublime coup franc. Non, j'ai envie de te dire, on peut pas commencer mieux ce top 10. Petit enroulé du pied gauche, magnifique en pleine lunette. Bref, 9ème place, on va se retrouver avec une tout aussi belle lucarne, mais cette fois-ci du pied droit. Oh le bâtard. Oh le bâtard, ah oui, tu peux le dire, oh le bâtard, mon gars, parce que vraiment, elle est magnifique ta lucarne. Il y a tout ce qu'on aime, tout simplement, ça vient se loger en pleine lunette, le ballon est lifté parfaitement, joli, tout simplement. 8ème place cette fois-ci pour ce clip, il y a un gardien et j'en ai tenu compte effectivement pour le classement puisque c'est vrai que s'il y a un gardien c'est toujours plus valorisant. Ça rend mieux, on se dit que l'enroulé est encore plus beau puisque bon on a réussi à tromper le gardien. Non voilà, lui il a clairement compris le concept de battre un gardien, il le met clairement hors de portée, c'est magnifique, bien joué à toi. Septième place, on se retrouve encore avec un clip avec un gardien. Vous allez voir que c'est de très haute couture encore. Alors là, c'est Anto qui va commencer à tirer. Ok, vas-y, tire mon pote, régale-moi, c'est parti, je t'attends. Fais-moi rêver. Et voilà, pleine lucarne. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Anto, il est chaud. Franchement, Anto, il a tiré en premier et il est chaud. Une superbe lucarne, franchement, vous l'avez vu, pied droit, premier poteau. On n'en voit pas souvent et ça fait vraiment joli. Si je me trompe pas, on est à la 6ème place et on va découvrir tout de suite quelqu'un qui va nous faire de jolis tirs à distance. Alors ok, le gardien c'est un feignant, il bouge pas, la balle est pas forcément à lucarne, mais honnêtement t'as vu la distance, franchement ça force le respect. Donc pour moi tu mérites amplement cette 6ème place parce que le ballon j'avais l'impression qu'il allait jamais arriver. À la 5ème place et à cette moitié de ce top 10, on va se retrouver avec Baptiste qui va tout simplement imposer le calme. Non, le type est clairement tranquille, il fait une petite lucarne du pied gauche, enroulée parfaitement, le gardien, il a même pas osé, il s'est dit bon allez j'y vais, non je peux pas en fait. Allez, pour la beauté du geste, on se remate ça. Quatrième place, on va se retrouver avec Reida qui va nous faire deux jolis enroulés. En plus de ça, tu l'as vu, avec à chaque fois un gardien, un au premier poteau, un au deuxième poteau. Voilà, polyvalent mon pote, bien joué à toi. Alors on rentre dans le podium et à la 3ème place, on va se retrouver avec un clip un peu différent puisqu'il s'agit tout simplement d'un coup franc inscrit en plein match amateur. Alors attention, petite devinette très compliquée. Comment s'appelle la personne qui vient d'inscrire ce coup franc? Je vous laisse le clip. Oh Karim! Karim il est là! Karim il est là les gars! Avez-vous trouvé? Réponse 1, Karim. Réponse 2, Karim. Alors Karim, effectivement, bien joué à toi mon gars. Un coup franc, franchement, ça doit faire trop plaisir quand t'en marques un en plein match. Je t'ai pas mis au-dessus puisque bon, il est pas forcément en lucarne. Ça finit par rentrer avec le gardien, mais franchement, c'est très joli. Deuxième place, on se retrouve avec un groupe d'amis pour lesquels les lucarnes n'ont plus aucun secret parce que s'il y avait des araignées, elles y sont plus. Donc voilà, clairement, je te l'avais dit, des enroulés de folie, ça fait vraiment plaisir. Ils ont également une chaîne YouTube, voilà, le lien sera dans la description. Surtout, n'hésite pas à aller checker leur travail. Donc à chaque top 10, j'essaie de présenter une chaîne, voilà, ça me fait plaisir, ça permet un peu plus de visibilité. Et peut-être, pourquoi pas, la prochaine fois, ce sera toi. En attendant, très bien joué à vous, les gars.
Et enfin, à la première place, on se retrouve avec un extraterrestre. Franchement, j'ai jamais vu un aussi bon enroulé. Non, tu peux pas inscrire un but comme ça. Tu peux pas inscrire un but comme ça. Je te laisse admirer, mon gars. Oh, de quelle planète tu viens, mon gars? De quelle planète? Est-ce que tu peux me le dire? Comment tu arrives à faire rentrer le ballon? Non, t'as vu, c'est trop l'effet qu'il met dans le ballon. T'as l'impression qu'il va jamais rentrer. Mais si, il finit par rentrer, mon pote. Sans aucun doute, la première place est pour toi parce que ton enroulé est juste stratosphérique, magique, tout ce que tu veux qui finit en hic. Franchement, c'est magnifique. Oui, il y a possibilité de vous le passer en replay parce que moi aussi j'ai été choqué. Franchement, j'ai été choqué. C'est sur ça qu'on finira ce top 10. J'espère vraiment que vous aurez passé un super moment à ma compagnie. Franchement, j'adore regarder vos clips. J'adore cette série. Voilà, ça permet de vous montrer, de savoir ce que vous savez faire. Et franchement, c'est génial. C'est vraiment ça que j'adore, l'interactivité. Voilà, la passion du foot qu'on partage ensemble. Donc vraiment, bien joué à vous les gars. C'est la 57e fois que je vous dis bien joué, mais c'est pas grave. Surtout, n'oublie pas le gros pouce bleu. Comme d'hab, tu peux marquer un commentaire pour savoir ce que t'as pensé de la vidéo. Et n'hésite pas également à la partager avec tes amis. Ils pourront participer à ce prochain top 10. Pour t'abonner, c'est juste ici. Et mon pote, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends vraiment soin de toi et peace.